transition, je suis à un an post-défrisage, donc un an où j'ai arrêté l'utilisation de tout ce qui est fer à chaleur, produits défrisants, tout ce qui a contribué à abîmer mon cheveu. Alors, ma transition à ce jour se passe plutôt bien. C'est vrai qu'au début, dès les 3 premiers Les mois, cheveux sont faciles, vraiment, sont encore faciles à manipuler. Mais une fois qu'on a atteint les 4 mois, c'est là où ça devient très, très, très difficile, la gestion de la double texture. J'avoue qu'à des moments, j'avais envie d'arrêter tout, de mettre fin à tout ça et puis recouper les cheveux. Je me suis dit non, je suis sur une aventure qui doit plutôt se terminer dans de meilleures conditions comme je l'avais pensé dès le départ. Alors moi j'ai 3 règles que je suis depuis le début de ma transition. C'est l'hydratation, maxi-hydratation. C'est les soins profonds que je fais une fois par semaine bien sûr parce que j'ai des cheveux très secs, cassants et puis abîmés. Là ils retrouvent un petit peu du poil de la bête. Donc, ça montre que les soins que je leur apporte font leurs résultats. Et puis, des coiffures protectrices pour éviter de les manipuler souvent et aussi éviter les désagréments liés au climat. Alors, les coiffures protectrices, je les conseille et je les conseille un peu moins. Il faut éviter de les enchaîner parce qu'en les enchaînant, ça peut vous causer une chute de cheveux. Je vais vous mettre quand même quelques photos là, mais j'ai envie de remédier à ça et puis ça va mieux. Je me suis bien armée quand même pour lutter contre la chute des cheveux. J'ai préparé mes 3 petits accessoires qui ne me quittent jamais. C'est mon foulard à satin, c'est ma brosse massante pour le crâne et puis mon peigne à dents large. Donc sans plus tarder, je vais vous montrer où j'en suis de mes repousses. Pour ça, je me suis munie de ma lotion. Sur ma transition à un an post-défrisage et vivement that thing just